apocalypse. Salut à tous, on se retrouve pour un épisode de Far Cry, le numéro 3. Donc c'est parti, on va commencer. Pour développer cet endroit. Voilà, on y est. Chez moi. Maman a raison. Salut, juste une seconde. Salut, miss. Dame. Trouver la boîte à chaussures. Trouver du scotch. Pas de tempête. Yeah. Belle journée pour chasser, à condition d'éviter les ravageurs. Ouais, je sais. Oh, les lettres, on les lira plus tard. Je voulais vous dire, non, qu'est-ce voilà, qu'il faut faire ? On y est, chez moi. Encore ? Non. Une seconde, capitaine. Trouver les emplacements de photos, machin. Voilà, ce que je me disais, voilà, on y est, chez moi. Maman a raison. À nous deux, on peut se débrouiller pour reconstruire cet endroit. Si vous avez besoin d'un coup de main, contactez-moi. Okay. Je viendrai combattre à vos côtés, capitaine. Ça vous dérange pas si je vous appelle capitaine ? Capitaine de la sécurité, c'est... Pas le moins du monde. Sérieux ? Bon, vous avez eu un sacré coup dur. Si vous voulez vous rafraîchir et vous changer avant qu'on s'y mette, vous trouverez des vêtements là-bas. Vous devriez parler à ma mère. Elle vous expliquera ce qu'on peut faire pour aider Prosperity. On va parler à ta mère. Changer de vêtements. Ok, on va lui mettre ça. Ça, c'est bon. F. On bosse comme un chien ici, mais ça vaut le coup. Voilà. On va parler à la maman. Moi, c'est Kim. D'une certaine façon, c'est un peu moi qui commande ici. Je D'accord. sais que vous avez beaucoup souffert, capitaine, mais à dire vrai, on a besoin de toute aide possible, ce qui veut dire qu'on a besoin de vous. On pensait que les gens du train allaient pouvoir nous donner un avantage. On devait tous collaborer pour cultiver et fabriquer des trucs. On était censé riposter contre les jumelles. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Bon, on va devoir se débrouiller. On a du pain sur la planche. Je vais vous montrer comment on fonctionne ici. Ici, c'est Prosperity. Si on veut avoir la moindre chance contre les ravageurs, la première chose à faire, c'est de remettre cet endroit sur pied. On a plusieurs installations pour développer Prosperity. C'est là que vous pourrez fabriquer des armes et des véhicules, cultiver des plantes pour vous soigner, et d'autres choses encore. Ok. Et voilà Hope County. Pour exploiter au mieux nos installations, on a besoin d'éthanol pour les améliorer. Votre carte indique les avant-postes des ravageurs, où ils stockent celui qu'ils nous volent. Libérez-les pour obtenir ce qu'il nous faut. Et c'est ici que vous trouverez des spécialistes, des gens experts dans leur domaine pour nous donner une chance contre les jumelles. Ramenez-les et Prosperity s'en trouvera renforcée. Et vous aussi. Mais sans Thomas Roche, on n'ira pas bien loin. Il a déjà construit d'autres colonies. Sans son aide, on n'arrivera jamais à développer Prosperity. Ces derniers temps, les jumelles envoient pas mal de prisonniers dans leurs mines de charbon. Je commencerai par là. Alors voilà. On sauve Roche, on trouve des gens pour s'occuper des installations et on leur apporte assez d'éthanol pour optimiser ce qu'on sait faire. Si vous pouvez nous aider, nous ferons tout pour en faire de même. Ok. Bon, on va aller sauver Rush. J'espère que tu vas bien après ce qui s'est passé. C'est parti. On n'a aucune marge d'erreur si jamais il y a un problème. Ah ouais, ça m'indique pas le chemin par contre. Je suis paré au combat. Ok.
vais par où là? Ok. Là, à gauche. Troisième à gauche. Là-bas, attention! Essayez de repérer les éclaireurs. Ils savent tout ce qui se passe à Outcounty. Entre les avant-postes, les caches de survivalistes et les nouveaux alliés, ils mettront votre carte à jour avec les emplacements qui méritent d'être visités. On fera ça après. Quand j'y allais. Tu me suis, toi? Eh ben non. Bah non, c'est pas très maniable, ça. Hein. Non, pas l'arbre. Aïe. Rush doit être enfermé au sous-sol. Entrez par tous les moyens et ramenez-le. Bonne chance. Oh, merci, hein. Il va falloir, je pense. Si jamais vous sentez que la situation vous échappe, fabriquez-vous un meilleur équipement et des armes avec les ressources que vous trouverez. Et rappelez-vous, les habitants de Prosperity feront tout pour vous aider. Oui. Profitez-en, ils vous décevront pas. Oui. Oh, il a une AR lui. Yeah. C'est chaud, c'est chaud. Aïe. Oh. Aïe, aïe. Rentrer. J'en
La hitbox elle est pas ouf. Elle m'en allait en tout cas, hein, la musique de Speed. Hein. Oh mon Dieu, c'est dingue, je croyais que vous étiez morte. Allez, tue-le, fais-toi plaisir. J'aurais pas dû douter de vous. Bah non, hein, t'aurais pas dû. Hein. Je suis fidèle, moi. Fait partie de la team, hein. Ah, espèce de cinglé. Vous êtes revenu pour moi. Je crois qu'il va falloir qu'on bouge. On doit partir. Vite. Ouais. Je crois qu'on va faire ça. Mets en route, prenez la tourelle, je vais sortir d'ici. Ah ouais, je prends la tourelle moi, pas de problème. Allez, allez. Au revoir. Merde, ils arrivent droit sur nous. Mais non, ils sont pas là. Ça c'est bon ça. Tu rêves d'exploser. Oh, je l'ai volé. Les ennemis sur la droite. Derrière. J'arrive par la droite. Le quad il est tombé. Ils sont à droite. Ah ouais, le là. À gauche, l'ami. Là-bas à gauche. Voilà, beau. Oh, tu as roulé dessus, mec. Ils étaient derrière. J'ai vu les fards de ton quad, toi, t'étais caché, mais je t'ai vu. Qu'est-ce qu'ils sont? Ah, les asmés ou quoi? J'ai trop mal à la jambe pour conduire. Ah bon? Vous savez où on va?
jusqu'à ce qu'on arrive. Ok. On est où là? Ah, on est là. Et on va là. Faire demi-tour. Passe dans l'eau. Ça, ça va être pratique le marqueur là, ça va être bien ça. J'ai cru m'en sortir en vie. Merci d'avoir risqué votre peau pour moi, capitaine. Il y a pas de souci, t'es un pote. Une nuit, la mine a été attaquée par des gens sortis tout droit de l'âge de pierre. Ce ah bon contre des fusils à pompe, avec des arcs et des flèches. Ils prenaient des balles, mais revenaient à la charge. Je crois pas. Casse les panneaux. Mais je sais ce que j'ai. Ces gens avaient quelque chose que je ne saurais pas expliquer. Si on découvre leur secret. On aura peut-être enfin une chance contre les jumelles. Je suis vraiment crevé. Faut que je reprenne mon souffle. Parfait. On l'a sauvé. Ce petit coquin. Maman! Wow, du calme, du calme! Oh non, Rush, on peut dire qu'ils vous ont pas fait de cadeau. Ça va, je vais bien. D'ici deux jours, ça ira mieux. J'ai bien entendu. Vous êtes Thomas. Bon, moi je vais vous laisser là pour cet épisode, enfin après la cinématique. Carmina m'a beaucoup parlé. Et je vous dis à la prochaine. Votre fille a un Bye. Sacré caractère. Là vous m'apprenez rien. Carmina, apporte-moi l'alcool. J'y vais. On va regarder votre blessure. Doucement. Vous allez devoir remettre ça en place. Oh. Et il n'y a plus que vous? Oui. Désolée, j'imagine que vous vous sentez... responsable. Les jumelles sont douées pour vous faire perdre espoir. Vous comprenez pourquoi on a besoin d'aide. Je suis pas sûr de pouvoir vous être très utile. Rien n'est encore perdu, Rush. On doit faire comme on avait dit, reconstruire et renforcer. C'est pas aussi simple. On avait des spécialistes, des experts. Mais vous étiez peu au début. C'est pas très différent. Vous l'avez déjà fait, montrez-nous. Il va nous falloir du monde. Des gens qui ont envie d'apprendre. Et très vite. D'accord. Ok, bon, maintenant, vous êtes prêts? Ouais. Ouais, tu devrais boire un coup, mec. Parce qu'à mon avis, ça va pas faire du bien. Go. Bim! Oh, purée. Même moi, ça m'a fait mal. Bon, et eh bien moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Bon, très bien. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Doucement, stop. On va aller se reposer, d'accord? Ah, c'est une bonne idée.